Waouh. J'étais en Ouais. train de marcher sur un golem là. Swag. J'aime bien. Donc, alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière, dernier petit morceau de tournage. On a voulu y aller dans la spectre dimension, n'est-ce pas, avec cette magnifique clé. Et là, patatras, catastrophe, crash en fait. Il y a un Littéral. problème avec, voilà, vrai crash. Hein. Il y a un problème avec la dimension spectre. Et du coup, moi, j'étais coincé dedans. Et chaque fois que je me loguais au jeu, mon jeu crashait parce qu'il y a un problème avec cette dimension. Apparemment, c'est connu, puisqu'il y en a qui m'ont reporté que, y avait un souci avec cette dimension et ainsi qu'avec le Deep Dark dans ce mode pack. Donc, du coup, on va pas pouvoir se déplacer dans la spectre dimension, c'est pas grave. Ça complique un petit peu les choses pour ces tâches ici, notamment les Under. Later. Ou les Lamp of Darkness, c'est ça. Ah oui, ça Parce va être. qu'en gros, on a besoin de. Ou le Gintos, je crois que c'est pareil après. T'as vu, hein? Le Ginto, ça peut être vraiment sympa parce qu'on en obtient 4. Et avec un Ginto, ou Ginto, je sais pas comment ça s'appelle, plein, tu peux réanimer une personne qui est morte et qui a pas encore respawn en fait. Ah, intéressant, tiens. Ça, c'est vraiment intéressant. On a l'Imbuing Station. Je sais pas ce que ça fait exactement. Ça donne des habilités. Bon, ça, c'est pour envoyer des lettres. Et on a la Teleportation. Avec des mines. Mais tout ça, en fait, on a besoin, si on prend le Ginto. Ginto. Ah, j'ai un Si tout je dis là. pas de bêtises, voilà. On a besoin d'ectoplasme. Et les ectoplasmes, tu sais, c'est les sortes de slime qui volaient un peu dans tous les sens, là, quand on tuait quelqu'un. Ouais. Et je sais pas exactement comment on les fait spawner. On n'en a pas eu des masses, je les ai déjà tous utilisés pour crafter. Notamment une deuxième spectre clé pour qu'on se retrouve tous les deux dans la dimension, et ça servait à rien. Donc c'est un petit peu dommage. Je pensais qu'en fait, dans cette dimension-là, on en trouverait. Mais en Mais bon. fait que non. Du coup, on va partir à l'assaut de ce petit monde-là, qui a déjà été bien éclairé. Ouais, j'ai un petit peu torché sur la gauche, parce que j'y étais en mode YOLO, j'ai dit tiens, ah c'est facile, j'y vais, pouf, je me fais défoncer. Ok, je me barre. Voilà. Oui, toi tu vas par là, moi je vais par là. Ouais, je vais essayer de dégager totalement cette zone, comme ça on est tranquille. Mais ouais, j'ai torché, donc du coup, normalement ça doit aller. Putain, ça spawn à l'infini. Oh, regarde, 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 celui qui vole là, faut le shooter. Ah ouais, faut le shooter. Alors moi j'ai augmenté ma rapière et du coup maintenant j'ai but quasiment instant. J'essaye de le shooter. Oh merde, il se casse. J'ai des blocs ou pas? Faut absolument que je le shoot parce que c'est ça qui donne les. Il est où? Oh merde, il est passé. Hop là. Ça passe à travers tout ce truc là. Oh, c'est dommage. Voilà, il est mort. En fait, c'est ça qui donne les ectoplasmes. D'accord? Ouais, les petits cubes volants. Aïe. Oh, un Yes, coffre. t'as. Oh! Qu'est-ce que t'as trouvé de beau? Oh, quelque chose qu'on adore. Oh, nice! Enfin. Ouh là, il y a un trou ici. Enfin des inscribers! Putain, c'est pas trop tôt, mec. Ah oui, j'avais pas vu ce trou-là. Ah, par contre, en dessous, il y a du mob. Ah, Ouais. je regarde Ouais, un Enderman. on va pas y aller tout. Oh, GG. Bon, ça va, tant que c'est un Enderman. Putain, merde, on l'a pas eu! C'est assez rare pourtant, ces trucs, chier. C'est impossible à viser, il faut qu'il soit proche et que. Et le Ouais. bourriner. Donc oui, alors on avait que des inscribers. Attends, c'est lesquels de presse qu'on avait? C'est toutes les mêmes ou pas? Non, oui, c'est tous les mêmes. Si c'est que des engineering. Par contre, il va falloir les autres. Mais ça, c'est plutôt cool. C'est ce qui nous manquait pour augmenter nos disques. Bah ouais, surtout faire tout le réseau à plaque, quoi. Ouais. Alors, tu vois, je le sens très mal là. Oh bah ça va, c'est. Aisé, aisé, aisé. On a là. Eh mec, on a les logiques presse. D'accord, très bien. Oh, il y a des belles salles ici. Ouais, ça déconne zéro sur les salles. Hein. Alors, on va faire gaffe de bien tout éclairer. Ah, mec, il y a un spawner. Ah! Par contre, en bas, c'est autre chose. Bon, je les laisse s'entretuer. Il y avait un spawner, hein, je l'ai cassé. Ok, très bien. Tiens, on a cassé les échelles ici. Enfin, j'ai cassé l'échelle. Hop. Alors, Va falloir qu'on dégage cette zone. Donc là, on est dans les mêmes zones qu'avant, mais en beaucoup plus difficile. hashtag bonjour, je fais que de passer.
Merci. Voilà, ça marche. J'ai vu un zombie volant. Travaille à deux, mec. T'es touché, je crois. Non, pas du tout. C'est pas vrai. T'es pas volontaire. Mais en tout cas, c'est bien pour faire une forme à mob, ça. Et ça pète dans Ah tous ouais, les alors coins. là on va pouvoir. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une calculation presse. Ah, là par contre, il y a un trou, ça m'enchante guère, attends. On parle des côtés. Moi, je peux essayer le mode YOLO. Attends, faut que je sois avec toi parce que toi t'es clair en mode YOLO. Vas-y, tu peux YOLOter. YOLO! Oh là 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 là. Ah, je sais pas si c'est une bonne idée. Non, pas du tout. Au revoir et Merci, puis ce fut. fais un plaisir. J'ai pas. J'ai hésité un petit peu, puis après je me suis dit. Après t'as éclairé. Ouais, bah oui, c'est déjà bien. Et le mob a tout explosé. Putain, on a encore un. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ah, le truc volant? Ouais, putain, merde. Je sais pas où elle est. Non, mais le squelette. Allons reprendre son stuff. Waouh! D'accord, le mec déconne zéro sur les dégâts. Ça va être compliqué. Je m'attendais pas à ça en fait, je regardais pas ma barre de vie. Je tapais tranquillement avec mon épée et surprise motherfucker quoi. Ah oui, effectivement. Le knight là découpe des brioches quoi. T'as pris une pioche. Moi j'ai rien pris. Ah, lui par contre il peut crever avec un coup de poing. Ah là, lui il est mort. Faut pas que je tape le torche parce que sinon je suis dans la merde. Ah, il est mort. Oh, des résonantes énergicelles. Attends, je récupère ma tombe d'abord. Oui, moi aussi. Oh, j'ai de la TNT. Surtout l'armure en fait. Je sais même plus si j'avais ça, mais c'est pas très grave. Non, j'avais pas ça, moi, j'avais ça. Et ça. Bon, les spawners, hein. Bien gentil. Donc des résonantes énergicelles. Nice! On a beaucoup de matos, hein. Ça change, hein. Ouais, donc je pense que ce qui va arriver après, ça risque d'être assez hard. Et tout ça. Pourquoi à chaque fois on a deux têtes quand on meurt, tu sais? Ça les dédouble. Ouais, bon, c'est encore bien buggé. Hop. Mon armure, par contre, en train de souffrir un petit peu. Oui, qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus. Je voulais faire un truc, mais je ne sais plus, les amis. Continue. Allez, vas-y, le creeper, fais le taf. C'est l'avantage des Nice. creepers quand même, non? C'est qu'ils font tout le taf. Ça, c'est vraiment pratique pour le coup. Ça nous aide vachement. Hein. Enfin, sans déconner, c'est. Pourquoi il meurt? Parce que la zone est éclairée et c'est un Enderman qui a été popé sur la Bon, Earth. d'accord, il aime pas trop ça. Alors attendez, je voulais virer le petit waypoint maintenant qu'on est mort. Enfin, qu'on a récupéré notre stuff. Ah, bah je te laisse y aller, hein. Je te laisse dans la merde. Ça va en dessous? Whoops. On va dire que oui. Non! Laisse-moi passer! Ah ouais, c'est bon, je suis full life en fait. Je l'avais Bah pas vu. voilà. Ah bah oui, toi Ah! t'as. Reward bag! Ah, je les ai tous pris. En mode gros connard, de toute façon c'est pour nous. C'est des Greater, hein. Donc ils Ah. sont bons ceux-là. Attends, on va voir. Attention, es-tu prêt? Ouais. Oh! Redstone Health Pad. C'est pour soigner apparemment. Mec, une autre Alienware. Très bien. Fortune 3. Intéressant. Bah oui, moi aussi. Des Ender Fragments, ça c'est plutôt cool. Energy Distributor, je sais pas ce que ça fait. Ça Et un distribue. Survivalist Générateur, on l'avait déjà. Ok, passons là. Il y a nous à réparer comme ça. Attends, je vais essayer un truc. Mec, je vais essayer un truc. Ouais. Oh. Attends. Ça se jette au moins ou...
Mec, j'ai une fire imbue. Je sais pas ce que ça fait. En gros, je pense que quand je tape, je fous le feu. Peut-être plus que normalement. Ouais, c'est ça. Quand je tape, je fous le feu. Très bien. Excellent ces potions. Voilà. Vas-y, 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 on enchaîne, YOLO. Ah bah c'est bon. Ok, très bien. Ah, sauf qu'on arrive dans le corps du truc là. Wow, 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 wow. Zombie! Ah! Zombieland. J'éclaire la zone. Oh, il y a des beaux blocs. Ouais. Eximite bloc. Très bien. Attends, j'essaye de te poursuivre et de tuer tous les zombies. Je les one shot en plus. Ouais, moi j'ai two shot. Vas-y, vas-y, éclaire, éclaire. Hein. On a besoin que ce soit éclairé. Oh, ah, un red canister. Ah, ça c'est cool ça. Ah, un lingot d'or, de fer. Ça va cette zone au final, je trouve qu'on la gère plutôt bien. Bah, on est équipé donc oui. Forcément, c'est plus simple. Moi j'ai augmenté ma rapière donc du coup je les two-shot les mobs. Ouais, moi je les two-shot aussi avec le fire, je sais pas trop quoi, la potion là. Et puis en plus je me heal, c'est l'avantage. Aïe, ah, je crois que la laine est en plein milieu. Ouais, je confirme. Y'a la poule tueuse là qui est pas mal. En train d'éclairer tous les côtés, voilà. Et puis moi j'ai des bugs de son, c'est très bien. La 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 la. Ah, j'aurais pas dû péter ça. Bonjour les araignées, ça boum. Ah ouais, ça boum. Ah, il drop de la TNT et tout, c'est trop cool. Voilà, c'est à peu près correctement éclairé, c'est pas éclairé à 100% mais... Eh hey mec, au milieu c'est pas des... Si, c'est des flux blocks. Ouais. Applied. Bah c'est pas plus mal. Putain, je peux même pas les récolter, j'ai trop de merde sur moi. Bon, j'ai éclair tout autour. Allez, viens le zombie, viens, montre-toi. Oh, c'est quoi? Vas-y, on va tout miner tranquillement. Aruchalium, très bien. On avait pas tout exploré dans cette zone, après je pense que là-haut faudra qu'on... On aille sur les autres descentes, mais en tout cas, l'accès qui nous mène tout en bas, c'était easy. Ouais, c'était plutôt simple. Ah, bonjour. Alors, on va faire un petit chemin là. Ah, j'ai plus de torches par contre. Ni zombie en approche. Qu'est-ce que tu veux? C'est la laine verte. Hop là, c'est bon, je me barre. MDR. Salut, ok, donc ça c'est validé, ça va nous donner une autre dimension. Ouais, des poulets. On récupère un petit peu de ces blocs là. Ah. Oui. Je l'ai entendu tomber, il a explosé. Les danses extrémies. Je sais pas, on a différentes choses. C'est quoi comme bloc là? Void stone. Ok, très bien. Salut squelette. Au revoir squelette. Un peu partout. Bon, ça va, c'est plutôt tranquille. Ouais, ça va, c'était bien, on a bien progressé, on est mort comme des cons. Je m'attendais pas aux dégâts en fait quand j'étais au corps à corps. Par contre, mon armure est bientôt morte, il va falloir que j'aille la réparer. Ouais, bah ça. Moi, je récupère en fait les loot des mobs. Vas-y, moi, je récupère les. What the fuck, c'est quoi ces trucs là? Les blocs un peu partout. Après. Faudrait qu'on monte sur les trucs, parce qu'il y a des... Ah, j'ai plus de torches, attends, je vais faire un aller-retour. Ouais. Wow, 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 wow. Bon, j'ai des mobs qui tombent du ciel. Ouais, du coup, ils spawnent beaucoup plus là-haut, en l'air, maintenant. Ah, des witch. Aïe. Aïe. Ah. Ouais, du coup il tombe dans l'eau maintenant. Ouhou. On a de l'oricalum, on dirait de l'oricalque. Oh, une instant health. Merci la witch. Oh,
Ah, j'adore comment je les enchaîne. Donc faudra qu'on regarde sur le wiki métallurgie, savoir quel est. Enfin, sont bien ces blocs et qu'est-ce qu'ils font en fait, surtout ça. Connaître la résistance pour les armures en fait, je pense que c'est le plus important. Parce que ça rajoute énormément de minerais, mais il faut qu'on sache leur résistance, leur. Non mais Les envois de là-haut. Il y a des coffres, hein, fais-toi plaisir si tu remontes. je suis en train de remonter petit à petit, mais c'est pas Qu'est-ce que c'est que facile. ces blocs? Ah. Ah d'accord, en fait ça spawn parce qu'il y a encore de la. Yes! Mec, j'ai eu deux Ethera machin truc. Deux ectoplasmes. Ah ça brûle, ça explose. Pas les louper. Je pense qu'attends, sinon il faut qu'on aille là-haut et qu'on descende en fait, plutôt. Aïe, Dans ce aïe, aïe, sens-là. Et ouais. Parce que là, en fait, ça te tombe sur la tête constamment, alors que si on descend, on va pouvoir zoner au fur et à mesure. agiter un demi-cœur et puis pourvu que la flèche n'arrive pas. Ah si, Ah en bah si fait. elle t'a touché. Arte. Un peu de steak, c'est bon pour la santé. Il y avait des blocs chelous là. Plus où ils étaient. Bon, je les vois plus. Pas. On va remonter. Par Parce bonjour. que j'ai plus de torches et j'ai masse stuff à vider en fait dans les coffres. Moi je remonte, moi je redescends, toi tu remontes. Bah après moi je vais attaquer par au-dessus en fait, je pense. On va essayer de clear totalement cette zone. Bonjour. Bonjour. Par contre, du coup, j'ai de l'ectoplasme maintenant. On va peut-être pouvoir faire le. On peut. Le truc où je peux réanimer une personne tant qu'elle a pas respawn. Ouais, ça c'est plutôt sympa. En plus c'est pas cher, je crois. Ça coûte des ectoplasmes en fait. C'est le seul problème. Et comme on n'a pas illimité d'ectoplasme, c'est le seul truc chiant entre guillemets. C'est quoi cette merde? Ouah, j'ai one shot les squelettes. Ah mais il est fumé cet arc. Power 1, ok très bien. Ah non, alors toi tu. Par contre, on a chopé, ouais, masse de ça c'est cool. On va déposer tous ces trucs. Allez, t'as eu une poubelle. Merci, je me barre. Ah merde. Je veux ma rapière. Voilà. Les flasques, on va les laisser. Ah bah j'ai bien fait de récupérer ma rapière parce que le creeper elle a failli. Ouais, Vulcanite, on a vraiment masse encore. Bon, bah, mec, j'ai de l'orical. Auricalum et de l'eximite. Hop, je remonte un peu parce que. Alors ça, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Presque envie d'aller voir qu'est-ce qu'ils font ces matériaux. Ah, on peut faire des. Ah! Ah, nice! On l'a. Eximite tout le matériel. Mining level obsidian, mining speed 8. Durabilité de 1300. Ah, intéressant. Arrow speed. Ok, ça on peut l'utiliser comme. Ok, la durabilité par contre est pas ouf sur les armures. Ouais. Et l'Auricalum. La durabilité est meilleure, 560, mais je crois. Wow. Ouais, elle est un peu meilleure que le Vulcanite. Donc à voir, je sais pas. Il faudra. On regardera sur le wiki de notre côté. Ah, ça j'ai oublié de le prendre. Non, ça me les dédouble tous. Voilà, ça m'a pas. Ça m'a utilisé un peu d'XP, mais pas grand-chose. Donc je mets tout dans le coffre. On a les ectoplasmes. Je vais faire le truc pour raviver si jamais on a un problème. On a plus de torches, mec. On a les coals. On a Ouais, les pur. sticks. Pur du charcoal, hein. Voilà, on va prendre ça. Oui, au pire, on fait charpole. Et du coup, je voulais faire le Jinto. Oh, il me faut un Spectre Ingot. Parfait, en fait. Iron. On a juste ce qu'il nous faut. What? Ok, très bien.
un petit ginto et on le remplit. Filet de ginto. Du coup, on a une quête validée, mec. Ah, intéressant. Et tu vas te retrouver avec 4 filets de ginto. On en a 4 chacun, ça c'est plutôt cool, hein. 5 même, 5 chacun parce que ça consomme pas l'autre. Bon, allez, je vais les garder sur moi. J'ai des magmatiques dynamo, je suis bien content. Je vais les garder sur moi, ça pourra servir en fait. Si à un moment épée, j'ai besoin de le réanimer. Alors, et le réflexe à partir de même maintenant, ne clique pas sur la touche respawn. Ok, très bien, pas de soucis. Ça, c'est un réflexe à Ah! prendre, mais. Et ah là, l'araignée. Voilà, que je t'ai buté. Cependant, il y a un coffre qui m'intéresse ici. Oh, good, 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 good. Ah! Pourquoi ça pète? C'est chez moi, c'est chez moi. Oh, il y a un autre coffre là-haut. Là-bas. Là-haut. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais tant pis. On a les silicone press. Bah, je les ai tous. Bah, presque tous. Press, tous, lol. Lol. Attends, il y a un autre bâtiment là en face, on n'est pas allé. Et puis bah voilà. Ah oui, bah attends, on a validé une ken aussi, mais là elle est dans Lost in Time plutôt. On a la laine verte. Ah, qui nous donne la nouvelle biosphère. Fallen Knight, on les a tués. Oh, on a une Godlike Sword, mec. Ah, intéressant. Torch of Time. Torcherino, faut qu'on regarde ça. Bonjour. Auricalcum. Ah, mais si, on a les Auricalcum ingots. Va dépasser par là, toi. Oui, d'accord. Vas-y, qu'est-ce qu'elle donne? Skill level, godlike plus plus. Merde, il lui reste 4 modifieurs, mec. Sachant qu'elle a plus suite d'attaque de mage déjà. Bloque pendant 3 Ah secondes. oui. Oh. Burn duration 9 secondes, elle est pas mal, hein. À ce point. Ben, il lui reste 4 modifieurs. Elle est déjà à plus 8 en attaque des mages. Sachant qu'elle est pas full en quartz, donc elle peut avoir plus. Elle a burn duration 1, habilité 484. Ah, par contre, elle se répare au black steel. Ça, c'est. Mais elle est en auto-repair. Je m'amuse avec mon bouclier. Auto-repair, mec, auto-rip, auto-smelt. Smelt. Oh, sympa. Ça pour récolter les minerais, c'est énorme. Pourquoi il n'y a pas ça dans KTP? Ah ouais, putain, c'est tellement bon. Ah, et pas mal, mais surtout il lui reste 4 modifieurs, je suis assez impressionné. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui rajououter? Bah justement, il faut regarder en fait, parce qu'avec les nouveaux trucs de métallurgie, je sais pas si t'as vu, on peut avoir des modifieurs super intéressants. Il faudrait voir. Attends, vas-y, ça m'intrigue les salles qu'il y a ici. Alors ça, j'irai la mettre où qu'il faut. Et ça pète de partout. Pas des salles en fait. Bah, c'est une torche quand même. Pour l'honneur. Hop. Ok, c'est pas mal. Et du coup, on va pouvoir valider l'autre quête aussi. Est-ce qu'on a assez de. C'était le vert là. Aurical. Auricalum. C'est bon. Non. Moi je vais Normalement. mettre la laine sur le Factory Monument. Ah, Yes. bonjour les petits. Alors, c'est par là. Graphy Wool. Ah bon. Ensuite, c'est la Piggy. Piggy Wall. C'est la biosphère en fait. Ouais, c'est ça, et après on aura le nouveau Miner's Delight. Inscriber, on a oublié les Silicon Press, mec. Pour compléter la tâche. Ah ouais. Mais sauf que j'en ai trouvé que 3 au lieu de 4. Nécrotique. On va mettre un nécrotique et je vais voir les métallurgies. Qu'est-ce qu'on a comme. Oh, putain, on peut pas filtrer par. Alors, on a l'aldurite, on a l'auricalum. Qu'est-ce qu'on avait C'était. Comment ça s'appelle? On a récolté le gris là. Le gris. On a langue malène. Je vais regarder en fait qu'est-ce qu'ils font ces matériaux de. On a le Seracluse. Pour le mettre peut-être en modifieur de. Of quartz, boum, on va en prendre. Il ne reste pas du quartz. Je vide Ah un si. peu ce qu'il y a dans la plaque parce que ça fait 10 items pour rien.
Vas-y, vide les trucs pourris. Je veux juste choper les trucs de métallurgie en fait. On a le Damascus. Je peux dire hey. On a l'eximite. Qu'est-ce qu'il y en a comme truc, mec? Ouais, c'est un petit peu chiant. L'hépatisone. Lino, Lisha, bidule truc. T'es sûr? Paye tes noms, hein. Oui. Oui, calume, j'ai déjà pris. Paye tes noms quand même. High-tech explosif. What the fuck? Vulcanite. Et alors, du coup, je vais modifier ma truc. Je vais lui mettre déjà un nécrotique. Comme ça, on a le lifesteal. Yeah. Je sais pas c'est quoi comme TNT, mais je veux pas la poser. Dans le Golden Lasso. Oh, non, attends. Mec. Ouais. Lama Oh! Waffle. Écoute. C'est pour ça que j'ai bien fait de pas le jeter. Ensuite, là c'est un peu intéressant de voir. Lino, Lisiphaïte, qu'est-ce que ça fait? Bow et Arrow. Attends, ça marche pas sur le matériel. Pourquoi on n'en voit pas sur l'épée en fait? Attaque, ça augmente de 1,5 heures. Je sais pas si ça marche, si on peut l'utiliser en modifieur comme ça. Ah non, on peut pas. Je pensais qu'on pouvait en fait. My bad. On peut pas utiliser tout ce qu'on veut sur les modifieurs. Encore tac 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 tac. Sorti, sorti. Et on a 62. 10. Peut-être se calmer sur ça par contre. Ah, ouah, je peux encore l'augmenter, il nous faut du quartz, mec. Bah regarde s'il y en a encore dans la plaine, mais ça m'étonnerait. Il n'y en a plus. Putain, il me reste deux modifieurs, ouais, parce que j'ai continué à augmenter. Oh, du lapis aussi. Qu'est-ce que le fait le lapis d'ailleurs? Looting et fortune. Et disons qu'il en faut beaucoup quoi. Ouais, mais du lapis, tu te rends pas compte combien on en a? Ah ouais. Il en faut 250, non. Si. 350 par pour avoir une looting 3. Attends. Boum. Ah d'accord, t'as mis des blocs. J'étais en train de te les remplacer les blocs. Très bien. Il y a un truc aussi qui Combien a je suis? tout à plat ici. 262. Hop, tout ce qui est applied. Je vais le foutre là. Ça et ça. De toute façon, je ferai du apply correct plus tard. En off, hein, bien sûr. Mais il en manque. À 424 sur 133, 442, il en manque 8. Voilà, looting 3. Et je peux encore mettre masse de quartz pour augmenter les dégâts en fait. Ouais, intéressant. Mais en attendant, c'est plutôt pas mal parce qu'on peut miner avec apparemment. Ah bah non, on a du looting. Non, on peut pas miner avec. Mais il y a l'auto-smelt en fait, je comprends pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. On verra bien. Bon, écoutez, on va avoir accès à une nouvelle zone pour la prochaine fois. Ouais. D'ailleurs, Ça je me me suis. paraît être pas mal. Du coup, ouais, je me suis séparé de mon autre épée. Oh, j'ai des cookies. Quadruple. Ah, garde-les, garde-les. Il faut qu'on fasse. Ah. Faut qu'on regarde. Ah merde, faut qu'on les compresse. Bon, on va faire ça hors caméra pour et voir si on peut compléter. On a des tâches sur les cookies, puis faut qu'on aille chercher les inscribers là. Ah oui, c'est la godlike sword que tu as. Vas-y, il nous manque le sextuple qu'on précède en fait. Je pense qu'on peut y arriver. Intéressant. Bon, les gars, on se dit rendez-vous au prochain épisode. Ouais. Du coup, bisous. Gros bisous, à la prochaine.